Très bien. Très bien. Très bien, en forme. Je vous laisse, qu'est-ce que tu veux m'en sortir? Réagir dessus. Oh là. Déjà, c'est un truc que moi j'aime bien. Et voilà, c'est quand c'est l'occasion, je profite pour sortir mes meilleurs habits, quoi. Sinon, au quotidien, c'est tranquille. C'est juste pour venir à l'entraînement. Et même quand c'est pour venir à l'entraînement, j'essaye toujours de combiner les petits détails des coloris. C'est pas, il faut pas venir n'importe comment non plus. Hein. Celle-là, c'est le même. Déjà, c'est pas la même coupe. Mais là, c'était au début de saison. Après, voilà, c'est quand t'as le sourire dans ton lieu de travail, ça veut tu dire quoi. C'est quand t'es heureux dans la vie, dans ton lieu de travail, il y a plein de bonnes choses qui pourront arriver. Donc j'essaie toujours d'avoir le sourire, soit dans le travail comme en dehors. Et voilà, c'est ma façon d'être. Et rien à dire de plus. Oh là là. T'as eu au marquage de grands attaquants, oui. Le championnat français. Lequel sur ces 6 ans, ou s'il y en a plusieurs, lesquels t'ont le plus marqué, les plus durs à prendre? Déjà, j'ai eu la chance ou l'occasion de jouer contre Zlatan. Mais c'était que 5-10 minutes. J'étais à Rennes encore. Et sur 5-10 minutes, j'ai tout compris. J'ai tout compris que c'était un des adversaires plus difficiles à marquer. Et après, chacun a ses caractéristiques. Donc Mbappé, c'est bien sûr que c'est un joueur qui c'est plus de vitesse. Neymar, c'est plus technique. Et la Jinga, tout ça. Et Falcao, c'est l'image d'après. C'est plutôt sur les déplacements, le temps de saut, jouer à la tête. C'est complet, c'est des joueurs vraiment complet. Donc c'est difficile à choisir, mais je pense que pour tout, Zlatan, quoi. Pour moi, je me considère un joueur normal. J'ai pas le talent d'autres défenseurs axial. Donc pour moi, il faut aller chercher quelque chose en plus. Si je fais pas les travaux complémentaires, voilà, c'est ce que je disais, je deviens un joueur banal, donc il faut chercher quelque chose en plus pour me maintenir au plus haut niveau. Déjà, c'est depuis que je suis arrivé ici à Montpellier, j'ai toujours compris que c'est un groupe extraordinaire. Évidemment, on a des hauts et des bas, mais on ne se cache jamais de nos responsabilités. On les assume à chaque fois. Et voilà, ça c'est le réflexe d'un groupe qui vit bien. Et même quand les choses ne vont pas très bien, on a la capacité de se dire les choses, de se dire les choses dans le groupe et de s'en sortir en groupe. Donc, et ça représente ce que j'ai dit. On a le sourire. Et ça, c'était après le match de Lorient, qu'on a enchaîné la 4e victoire d'affilée. Que c'est très difficile de le faire en Ligue 1. Ah, la famille. Ah, voilà. Il y a beaucoup de photos de ta famille avec ta femme et ta petite. Est-ce que tu peux en parler? On sent que c'est très important pour toi. Tu mets beaucoup oui. De souris. Oui, parce que déjà, c'est ma. C'est ma force, c'est tout ce que j'ai rêvé d'avoir une famille comme ça. Je suis très fier de ce qu'on a
de ce qu'on a construit ensemble, moi et ma femme. Et après, voilà, on va essayer de grandir la famille. Et il manque encore les deux chiens qui sont pas là, mais franchement, c'est un côté qu'on essaie de préserver et de le maintenir solide, parce que dans ce monde du football, on sait que si tu n'as pas la stabilité émotionnelle, tu peux vite aller vers le bas, quoi, dans la difficulté, si tu n'as pas un soutien, si tu n'as pas ce côté familial, tu peux vite rentrer en dépression, je sais pas. C'est compliqué, franchement. Je suis très fier, j'ai passé des mauvais moments, et grâce à ma famille aussi, je suis ressorti de cette mauvaise phase dans ma vie, donc voilà. À tes tatouages, est-ce que tu vas en parler, est-ce qu'il y a certaines significations, ou c'est juste oui, esthétique? Oui, non, c'est pas esthétique, tout ce que j'ai fait, il y a toujours un significat. Et moi, comme je disais sur la photo précédente, c'est la famille. Bon, donc j'ai la date de naissance de ma fille. Après, c'est je suis quelqu'un de croyant. Donc c'est toujours des images, des anges, de protection surtout. Et voilà, c'est juste par rapport à ça. Oh. Franchement, on ne pouvait pas demander mieux, moi et ma famille. On est arrivé ici au sud et on s'est dit c'est magnifique. C'est un peu comme chez nous à Lisbonne. Donc on se sent aussi chez nous, une fois que la langue elle est maîtrisée, la ville elle se ressemble à ce que tu vis dans ton pays. Donc, il n'y a rien de mieux, donc tout marche très bien et il n'y a rien de mieux pour faire ton boulot. C'est pour ça qu'à la fin, il y a toujours le sourire dans le travail.